En fait, on a cherché une histoire, un récit ou un concept qui nous permettait de rassembler les objets qu'on avait envie de montrer. Et l'idée, la notion de détournement nous a semblé particulièrement excitante, en fait, attractive. C'est l'idée que ces objets ne partent pas de rien, mais qui se servent de ce qui est déjà existant comme matière. Une matière qui va être déviée, dévoyée, transformée, réinterprétée. On s'est aussi intéressé à des designers qui investissaient des process industriels ou des savoir-faire artisanaux pour, là encore, les traduire, les transformer. Mais c'est aussi une façon de faire du design, d'investir des savoir-faire, des arts appliqués, qui est un peu impur, qui ouvre le champ à l'aléatoire, l'imperfection. Pour moi, c'était très important, comme pour le premier volet de ce qui s'est passé de ces expositions à Nancy, de travailler avec un designer, donc apprenticien, donc quelqu'un qui a un point de vue évidemment très différent du mien. Je trouve que le dialogue entre le commissaire, scénographie, en fait, cette construction peut être commune. Tout comme l'expo est construit comme un collage, je pense que aussi la construction même du projet était déjà un espèce de collage. Et le commissariat ensemble, c'est un collage aussi de sensibilité, de compétences, de regard sur l'exposition. Tout comme la réflexion graphique, la réflexion des documents, la signalétique, la médiation. En fait, si on peut réfléchir tout depuis le début, il y a une espèce de cohérence et une espèce d'ensemble qui se construit. Là, on avait envie de changer de point de vue, de perspective, et de se placer du point de vue du designer, du point de vue du faire, du process, et effectivement de ce qui se passe en amont de l'objet fini, de cette question de la production. Je pense qu'il y a un autre terme important, c'est celui du bricolage aussi, qui est le contraire de la maîtrise totale, qui est le bricolage, c'est faire avec ce qu'on a, et s'adapter aux matériaux et au contexte. Et c'est aussi un terme qui vient questionner cette idée d'un idéal parfait, platonicien, d'un objet standardisé, abouti. On avait l'envie, le désir de montrer des acquisitions très récentes, une scène très contemporaine, mais on ne prétend pas du tout que ce qui est ici ne s'inscrit pas dans une histoire, bien au contraire. Depuis la révolution industrielle, il y a des discours, des objets, des pratiques qui se situent contre, qui tournent en dérision, ou qui attaquent la notion du standard et de la production industrielle. Il y a des espèces de liens souterrains entre les objets qui sont présentés dans l'exposition, qu'on n'a pas voulu chapitrer, qu'on n'a pas voulu hiérarchiser. C'est au contraire un grand collage, un grand continuum, mais il y a des affinités, des points communs dans les genèses, dans les process qui réunissent en fait les objets qu'on peut embrasser comme ça ensemble dans une certaine vision, qu'on peut retrouver cadré dans un miroir. Le corpus va déjà raconter quelque chose. Je pense que la mise en espace peut raconter par un autre angle. Et en fait, de multiplier les angles, on arrive à faire le tour du sujet et d'être dans quelque chose qui va permettre aux visiteurs, dans l'expérience de visite, d'avoir de multiples entrées. On a eu cette notion de continuum de pièces et pas de faire de sous-parties. Donc en fait, ça posait déjà une espèce de grande règle. C'était une grande autoroute, en fait. On s'est dit, OK, il y aura un socle. Qui devra être. On aura une lecture d'un socle commun à toute la galerie, et du coup on se promène le long de ce socle, et en plus on doit faire un aller-retour par la configuration de l'espace. Les miroirs sont venus dans un deuxième temps, quand à un moment donné on s'est dit, OK, pour que le socle. En gros, l'espace est ce qu'il est. Je suis assez large, très haut sous plafond. On a des points de vue différents, mais en gros. On a quand même 40 mètres linéaires x2 à chaque fois, donc il faut qu'on rythme tout ça. Les miroirs sont aussi un jeu pour nous. C'était
Quels objets, quels collages on a envie de faire. Et en fait, on peut manipuler ces miroirs pour réussir à faire appel, à aller chercher l'objet qu'on a envie pour venir dialoguer avec l'objet qu'on a au premier plan. C'est une table de mixage qui nous permettait d'aller chercher un peu tous ces objets-là. La fonctionnalité n'a pas été le critère dominant dans la réalisation de la plupart des objets qui sont ici, mais par contre, c'est des objets qui ont été faits pour une familiarité avec un utilisateur. Ah, effectivement, une échelle, l'échelle d'un corps, l'échelle peut-être d'un intérieur domestique. En tout cas, ils n'ont surtout pas été faits pour être sur un socle. Donc, c'était tout le paradoxe qu'il faut toujours résoudre dans une exposition de design qui se fait avec des pièces patrimoniales, c'est comment on restitue. Comment est-ce qu'on abat un espèce de mur transparent pour se rapprocher, pour rentrer dans les objets. Je voulais qu'on puisse soi-même avoir un regard du coup, au niveau de ces objets-là et qu'on vienne au même niveau. Donc, physiquement, on monte sur le socle, monter au niveau des pièces pour être sur un niveau de lecture qui est plutôt le niveau de lecture qu'on aurait sur ces objets chez soi, sur ses propres objets. Ça donne une échelle humaine à ces objets. Je pense qu'il y a aussi l'idée du désir et de la responsabilité du visiteur qui peut mener son parcours à sa guise, qui peut soit choisir de faire une visite très esthétique, formelle, qui peut choisir de regarder les vidéos aussi qu'on a choisi d'exposer, qui documentent certains des projets. Et puis, il peut aussi, plus tard ou pendant sa visite, se plonger dans le petit journal, et là, découvrir ce que nous ont envoyé les designers, lire des textes qui sont un petit peu plus denses, un petit peu plus critiques. La plupart des designers présents dans l'expo ont un vrai savoir-faire et une vraie aptitude à réaliser eux-mêmes. La voire très grande majorité des pièces sont autoproduites, auto-éditées. Et donc il y a toute une ingéniosité, toute une réflexion sur l'objet et toute une expérimentation de la matière et une maîtrise du coup au bout d'un moment de la matière qui fait qu'on arrive à avoir ce résultat. Et en fait, il y a un bricolage de la matière, mais il n'y a absolument pas de bricolage de l'intelligence ou de la réflexion ou de la conscience de ce qui se passe autour de soi. On avait une forte envie de faire un programme de médiation avec plein d'ateliers et ce côté un peu expérimental et ludique, soit un peu partagé, soit un peu aussi présent dans l'exposition. Donc en fait, on vous invite presque à monter physiquement sur ce socle. Donc du coup, de reprendre ce matériau-là pour le mobilier, pour ceux qui vont s'asseoir, on manipule, on travaille et tout ça, ça restait dans la continuité, ça l'ancrait dans l'expo et en plus ça permettait de valider des choix. Je pense que quand on parle ici d'un atelier de production, de médiation, où on invite les gens à fabriquer des choses, c'est plutôt en étant un peu fidèle à ce que dit Enzo Mari quand il parle d'autoprojetationner, c'est-à-dire d'inviter un exercice pratique qui est aussi un exercice critique et politique. C'est-à-dire que apprendre à faire un tout petit peu, c'est déjà apprendre à questionner les objets, à mieux les regarder et à observer la production avec un œil critique. Ça peut être un petit levier d'émancipation, c'est déjà une toute petite chose en ce sens-là. Donc nous, on a aussi envie d'offrir toutes ces possibilités-là et de faire confiance aux gens pour se saisir des richesses qui les intéressent en fait.